Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be all. Bon matin tout le monde, je vais montrer ma petite atelier que je me suis fait. Je vais prendre ma petite remise ici, puis j'ai tout récupéré mes affaires parce qu'aujourd'hui, je vais commencer à sabler la coque du bateau. Il fait super chaud, puis il n'y a aucun ombre chaque bord du bateau. Fait qu'on va essayer de se mettre un peu de crème solaire, un petit peu de musique, puis je vais vous montrer mon petit setup, les choses que je vais utiliser, puis les choses que je vais faire pour faire le sablage, puis qu'est-ce que je vais mettre comme peinture aujourd'hui. Ah, voici l'intérieur de ma remise. Les panneaux solaires qu'on va essayer d'installer. C'est un peu dur que le bateau sorti de l'eau. Je vais peut-être attendre un peu plus tard qu'on ait un peu plus des facilités d'installation. Parce qu'il n'y a pas grand place ici, c'est un Brussels Point, pour faire du stainless steel, pour installer, faire des racks supplémentaires que j'ai besoin. Ça ici, ça va être mon petit kit. Ça, ce petit kit-là, ça va être qu'est-ce que je vais travailler pour les prochains jours. Ça va être petit kit de peinture, puis moi, pour une couple de jours. J'ai réussi à tout trouver ce que j'avais besoin dans les multiples boîtes qu'on avait. On avait du stock un peu partout. J'ai réuni ça dans ce boîte-là. J'ai les rouleaux. Rouleau qui est bon pour. Qui est résistant pour les choses synthétiques. Pour notre peinture, je vais mettre de la Micron SCS. Pour l'instant, c'est un peu ce que je pouvais trouver au Canada pour pouvoir mettre sur les bateaux. Je suis sûr qu'il y a de l'Interlux. Ils font de la meilleure peinture que ça. Mais au Canada, c'est la seule que je pouvais trouver qui faisait affaire la même chose. Premièrement, c'est ça qu'on a déjà sur le bateau, je vais remettre ça par-dessus. J'aurais aimé ça mettre la 66, mais on ne peut pas en avoir ici. J'ai des multiples papiers sablés. Ça, c'est une chose que je vais essayer pour le monde qui savent bien. Ici, c'est du papier sablé pour les feuilles de chipra quand on fait du plâtre. Fait que ça a l'air, ça a l'air que ça va bien utiliser ça. Fait que, on va sabler à main et en même temps, j'ai un poteau aussi, si jamais je peux me rendre. J'ai aussi du solvant, puis j'ai de l'acétone. Fait qu'avec ça, on va pouvoir se garder occupé. Ah, puis j'ai acheté un super beau gratteux aussi. Je vais voir comment, si bien, si on va en avoir besoin. Je pense pas qu'on va en avoir besoin, mais peut-être dans le futur, on a rien. Puis aussi du tape que je vais pouvoir peinturer. J'ai aussi de l'Interprotec. J'ai aussi de l'Interprotec, puis il y a certaines places sur la quille et sur le safran que je vais mettre de l'Interprotec. J'aurais peut-être pas le temps de tout faire ce que je veux pour la réparation du safran, puis si on a un peu de fibre de verre à réparer dessus, je vais peut-être faire ça plus tard ou un autre endroit qu'ici aux États-Unis. C'est pas urgent, mais on va commencer par la préparation de la peinture. Voici ce que je vais utiliser pour sabler. J'aurais aimé ça avoir une sableuse un peu plus gros que ça, mais à un moment donné, on est limité à de la place. On n'a pas un garage sur le bateau complet. Fait que on va utiliser ça. D'après moi, ça va être en masse. Peut-être un peu plus lent, mais ça devrait fonctionner. Puis pour les plus grosses jobs, ben, j'ai un grinder. C'est sûr que je ne prendrai pas un disque à grinder. C'est pour ça que j'ai acheté ici des petits disques de même qui vont peut-être servir pour la coque. Je ne fais pas à croire que je suis un expert en peinture, en salissure, pour la peinture de coque de bateau. Il y a beaucoup de monde qui me le demande, parce que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui ont des voyers. Ça, c'est une peinture en salissure. C'est une peinture qui est ablative. Ça veut dire que la peinture s'enlève. C'est pour ça qu'il y a des différentes couleurs de couches différentes. Quand la dernière couche elle commence à s'enlever, on voit une couche bleue. Fait que c'est plus facile. Si on aurait mis noir sur noir, ça aurait été difficile à dire quand c'est la peinture ici s'use. C'est normal que la peinture s'use tranquillement. C'est pour pas que les crustacés, les algues, les coquillages adhèrent au bateau. Puis là, cette peinture-là, ben, elle se décolle tranquillement, elle se relâche tranquillement dans l'eau. Fait qu'au bout de temps, il faut le refaire. Tout dépendamment des conditions, ce qu'on est, l'eau, la température de l'eau. Là, on voit ici qu'elle commence à être bleue. Puis en arrière de ça, ça devrait être comme un gris. Ça devrait. Quand il commence à être un gris en tour, ça veut dire qu'on est rendu à la dernière couche. Là, ce que je vais faire, je vais tout sabler, enlever le plus possible du noir pour le mettre uni. Je vais voir comment que le bleu y est en dessous. Puis peut-être bien le sabler un peu plus le bleu.
Mais après ça, ça va être de remettre une nouvelle peinture neuve qui va durer peut-être une couple d'années, on espère bien, puisque c'est très dispendieux. Je pense que c'est quasiment 300$ le gallon à peinture là-dessus. Fait que tu veux pas manquer ta shot, la préparation, puisque tu veux que ta peinture elle fonctionne. Je vais commencer par un test. Je vais commencer par mon papier sablé pour le Cheap Rock, c'est du 120. La compagnie recommande du 80. Fait que si j'ai un rouleau 10 du 80, fait que je vais poncer une certaine section avec le 80, je vais essayer ça. Je vais aussi faire une section humide, ça veut dire que je vais mouiller, je vais sabler voir avec humide, c'est quoi la différence, puis à sec. Parce que humide un peu, ça va empêcher les papiers sablés de s'embourber trop vite. Surtout lui ici, là, il y a des bonnes chances qu'il va se bourrer vite avec la peinture. Lui ici, il y a moins de chances, mais avec de l'eau, ça peut-être fonctionne bien. C'est une question environnementale, par exemple, je ne sais pas s'ils vont accepter ça. Fait que je vais faire attention, je vais mettre une toile en dessous pour pogner les particules. À Rosses Point, là, faut que tu penses à tout parce qu'il n'y a rien ici. Oui, on peut commander tout par Internet, je comprends, mais le délai, quand tu commences une job et tu n'as pas ce qu'il faut pour la finir, ça vient vraiment tannant. Fait que là, on a essayé de tout penser, de tout avoir à l'avance, plus possible. S'il y a quelqu'un qui aurait un West Marine ici, là, je suis sûr qu'il ferait de l'argent. Je suis pas un triple West Marine, c'est très dispendieux. Mais quand tu as besoin de quoi à la dernière minute, des fois, là, ça peut te dépanner pour finir ta job. Test 1 avec le 80. Oh boy, hein, ça fait une petite poussière ça. C'est pas si pire. Ça c'est le 120. C'est pour le Cheap Rock. Ça a l'air de faire une super belle job. Ça a l'air enlevé super vite. Ici, j'ai des petites bulles qui apparaissent ici là. Fait qu'il va peut-être falloir que je répare ça avant de partir. Je ne sais pas si on aura le temps. Dans le fond, où je le ferai plus tard dans le sud, mais la prochaine fois qu'on va sortir le bateau, ou je vais faire une petite réparation de fortune parce qu'on n'a pas le temps présentement pour faire de la perfection. Fait que bon en masse, ça va suffire pour l'instant. Et ça a l'air à très bien fonctionner. Si vous avez des idées, comment je peux faire pour réparer ça, une petite réparation durable mais vite vite, pas que je passe des journées à réparer ça, des petites point comme ça, faites-moi le savoir des commentaires. Je le remplis d'époxy. Ça me tente pas de commencer à grinder puis enlever complètement puis refaire de la fibre par-dessus. Je sais pas, je peux juste mettre de l'époxy. Fait que si vous avez une idée là-dessus, faites-moi savoir. Ça, je vais le faire en dernier, anyway. Fait que la vidéo est pas mal sortie avant que je l'ai complètement réparé. Fait que vous pouvez me donner des tips là-dessus. Testez avec la sableuse orbitale. Ça va quand même bien, le papier se bourre un petit peu, mais je vais aller me mettre un masque. J'ai essayé ce masque-là, c'est super, il scelle bien alentour, pour filtrer, c'est excellent. Sauf qu'à 33 degrés dehors, là, c'est suffocant. Fait que je vais essayer ce petit masque-là, puis pour une fois, il va peut-être servir à quelque chose. Je sais que c'est pas trippant, des préparations de bateaux, du sablage, de réparation. C'est pas des belles plages aux Bahamas avec du bikini, de la belle eau bleue. Mais il faut tout passer par là, c'est la réalité de la chose. Mais je vous emmerderai pas avec ça plus longtemps, je vais faire un beau petit time-lapse. J'ai pas tout à fait fini un côté. Je vais pas aller bien plus loin qu'ici, mais lui, c'est sûr que le safran, je vais le sabler plus que la coque. Parce que lui, je sais que je vais avoir des réparations à faire. Comme je vous demande, si jamais de quoi, je vais vraiment grinder ça un peu,
mettre un petit peu d'époxy dans les petits trous, ça devrait être assez. C'est pas la job parfaite, mais c'est pas la perfection qu'on cherche. Ça va être la coque, ça va être d'en enlever peut-être un petit peu moins que ça, juste pour pouvoir créer une adhésion, parce que l'Interprotec, c'est-à-dire la peinture qui est scellée en dessous de ça, semble être encore bonne. Fait qu'idéalement, ça va être juste de la sabler, pas toucher cette peinture-là, pas de l'user, pas de l'enlever, puis juste mettre l'anti-fouling par-dessus. J'ai essayé aussi un gratteux que je vous ai montré tantôt, puis je vais vous montrer, c'est quand même assez efficace, mais ça va être une job très longue travailler avec un gratteux, avec un grattoir. Dès que ça fait. C'est quand même pas pire. Mais on s'entend-tu que le bateau. Quand même pas pire, mais on s'entend-tu que le bateau il est assez grand. Fait que faire ça, ça va être très long. Mais oui. Pour l'instant, on a juste ça à faire. Pas quand même, hein? Comme je vous l'ai dit tantôt, là, je vais l'essayer avec de l'eau. Pour voir si le l'antisalissure reste sur le polythène. Puis je vais l'essayer, ça ferait peut-être moins de poussière. C'est juste comme ça, là, anyway, le polythène, le vent l'emporte tout, là, fait que ça change pas grand-chose. On dirait qu'on peut plus contrôler la profondeur avec ça. Tu sais, ce côté-ci, on va le faire avec ça. On va voir ce que ça va donner. Ouais, le grattoir, c'est bon pour si tu ne veux pas trop enlever à la fois. C'est quand même long, mais au moins tu peux plus contrôler qu'est-ce que tu enlèves. Mais pour qu'est-ce que je veux faire pour le safran, c'est pas l'idéal parce que le safran, je veux en enlever le plus possible dessus, puisque lui, je vais refaire l'Interprotec dessus, après ça, mettre la peinture en salissure. Mais pour la coque, par exemple, je pense que ça va être excellent pour contrôler qu'est-ce que j'enlève, parce que je veux pas arriver puis aller me rendre au blanc de la coque, le gel coat. Fait que si ça peut aller comme ça va être peut-être un petit peu plus long au grattoir, mais si ça fonctionne, ça fait un bel job, je vais l'utiliser. C'est drôle parce que le safran, enlever la peinture sur ce côté-là, ça a super bien été. L'autre côté, c'est comme plus dur l'adhésion. Je ne sais pas si c'est la préparation qui était différente, je ne sais pas si c'est une personne différente qui avait d'un côté ou de l'autre, mais l'autre côté, c'est beaucoup plus dur à enlever. Donc au moins, si je peinturais par-dessus, je sais que l'autre peinture, le fond est bon, il ne s'enlèvera pas. Lui, par exemple, il s'enlève super facilement, fait que j'aurais pas pu peinturer direct dessus. Puis la peinture que j'avais faite, elle n'aurait pas toffé. Voici ce que je me suis rendu aujourd'hui. Je pense que le grattoir, ça a été le meilleur outil de travail. Après ça, je vais pouvoir aller enlever la finition avec la pépée sablée, avec la sableuse orbitale. Ça s'enlève assez vite, ça fait bien moins de poussière. Là, il commence à avoir de la pluie, fait que je vais arrêter, je vais remoncer mon bordel avant que ça vienne un liquide bleu. Ce serait plus difficile à remoncer. Avec tout le travail, par exemple, il ne faut jamais oublier le plaisir. Dans la vie, c'est la balance qui compte. Je vais aller sauter à l'eau. Je vais aller me baigner, ça va faire du bien. Cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave, I'm in a tropic cove. C'est pas les Bahamas, mais c'est une petite plage privée à moi toute seule.
suis tout propre. La méthode du sable, ça a bien nettoyé les pores de la peau. Le temps va le dire après ça si ça va me piquer plus tard, mais demain, je vais vraiment m'habiller plus. À cette heure, je vais aller me faire souper. Je vais aller voir le tigre, voir comment il va bien.